Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept du vent. Donc, On va se demander d'abord qu'est-ce que c'est, mais surtout, hein, pourquoi il y a du vent? Pourquoi il y a du vent sur la planète Terre? Il y en a partout. Hein? Tous les êtres vivants sur Terre vivent avec le fait qu'il y a du vent sur la planète Terre. Et ce modèle, parfois, ça modèle le paysage. On a vu ça l'an dernier dans le cadre de, de, du concept de l'érosion. On a vu que c'était un agent d'érosion. Ça peut sculpter même la roche. Parfois, c'est dévastateur. C'est des tempêtes. Ça détruit même nos constructions. Hein? On est même en mesure, nous, les êtres humains, de... Transformer l'énergie qu'il y a dans le vent pour en fabriquer euh, de l'électricité. Euh, c'est aussi un aidant naturel pour la pollinisation de beaucoup de végétaux sur la planète Terre. Donc, c'est de quoi il s'agit. Je fais référence à vos notes de cours à la page 129. On va commencer avec une définition super simple en trois mots. Hein. Déplacement d'air. Donc, vous auriez pu l'écrire vous-même déjà. Là, hein. Donc, quand il y a de l'air qui se déplace, c'est du vent. C'est ça du vent. Mais là, ce qui nous intéresse, hein, c'est... C'est pourquoi il y a du vent, c'est causé par quoi? Pourquoi quand vous êtes là sûrement dans votre pièce, dans la maison, il n'y a pas de vent, mais quand vous sortez dehors, il y en a de, du vent. Il y a deux principaux facteurs qui sont à l'origine des vents. Le premier de ceux-ci, hein, c'est les différences de pression entre différents masses d'air. Je devrais faire quelques retours en arrière pour bien comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de pression dans une masse d'air. Le deuxième facteur, c'est simplement la rotation de la Terre. Donc ça, j'ai pas besoin de faire dix mille schémas. Hein. On parle de la Terre qui tourne. Imaginez une voiture qui bouge à partir du moment où elle bouge, si vous sortez la main de la, de la voiture, vous allez sentir l'impression que l'air est en train de bouger alors que c'est vous qui bougez. Donc la Terre qui tourne, hein, ça modifie les trajectoires des vents surtout. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a différentes pressions à différents endroits sur Terre. Donc, pour comprendre la pression, on va se rappeler hein, que l'air contient un paquet d'atomes, des milliards de milliards. Les atomes, on peut s'imaginer que c'est l'équivalent des petites, petites billes que vous voyez juste là. Hein, puis, lorsqu'il y en a beaucoup dans un même espace, sont tout tassés, ben, la pression est plus grande. Et quand ils sont plus distant, hein, ben, il y a plus d'espace. C'est comme s'il si y avait des spectateurs dans un, dans un spectacle. S'ils sont tout assis, si on ouvre les portes, ben, op, hein, ils sont tentés à aller vers l'endroit où est-ce qu'il y a moins de personnes. C'est un peu ça qu'on peut comprendre, le, le, la tendance à l'air à se déplacer d'un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de pression, plein d'atomes, vers un endroit où est-ce qu'il y en a moins, par exemple. Maintenant... Si je fais un schéma avec trois diagrammes ici, rappelez-vous une chose hein, le nombre d'atomes que contient un espace ou un volume donné essentiellement ça équivaut à la masse de l'objet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moins d'atomes, plus ça va aller en haut parce que c'est plus léger. Puis plus qu'il y en a, plus ça va descendre comme si ça descendait dans le fond de l'eau. Hein, c'est plus lourd quand il y a plus d'atomes. Maintenant, je rappelle une autre chose, c'est lorsqu'on réchauffe une substance, une matière, un élément, hein, les atomes se mettent à bouger davantage. Donc, plus c'est chaud, plus ça bouge vite. On avait fait une capsule là-dessus. Donc, si vous repérez un petit parallèle très, très évident juste là, hein, donc, pour une même substance, hein, dans un même espace, dans un même volume, hein, plus c'est froid, plus il y aura d'atomes. Donc vous voyez ici à droite complètement, c'est le même espace, mais il y a moins d'atomes, simplement parce qu'on a réchauffé la substance. Donc on pourrait faire le même jeu que je viens de faire, donc superposer en ordre hein, du plus léger au plus lourd. Et ça fonctionne vraiment toujours. Il faut que vous sachiez que le lourd, il descend en bas, le froid va toujours plus bas et le chaud va aller vers le haut. Vous n'avez qu'à mettre la main au-dessus d'un radiateur, vous allez sentir la chaleur. Si vous le mettez en dessous, vous devriez sentir pas mal moins de chaleur parce que la chaleur elle veut monter. Les atomes qui sont distants, ça fait moins d'atomes dans un même volume et ça lève tout naturellement. Là, bien entendu, on n'est pas dans sa pièce, on est sur la planète Terre. Hein, donc, on va ici remarquer puis reproduire le même schéma. Mais là, vous voyez, là, ici, je vous ai rajouté un peu la grosse couche en bleu. C'est l'équivalent de l'atmosphère extrêmement exagéré au niveau de l'épaisseur, mais c'est pour illustrer. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? On a un élément chauffant, hein? le Soleil, notre étoile. Hein? Il réchauffe surtout la portion centrale, l'équateur. C'est pas mal plus chaud sur la planète Terre que les extrémités, les deux pôles. Donc, c'est le principal facteur, hein? le fait qu'il y aura des masses d'air qui sont réchauffées différemment. C'est le fait que le Soleil ne nous réchauffe pas également partout. Hein? Il chauffe davantage l'endroit où les rayons arrivent perpendiculaires, donc essentiellement à l'équateur. Donc, on va se mettre à la place des petits atomes d'atmosphère qui se font réchauffer. Vous voyez, là, s'ils se font réchauffer, ils prennent de la distance, puis ils prennent de la distance, il y en a moins dans un même volume. Donc, ils montent en haute atmosphère, puis ils sont emprisonnés, ils ne peuvent pas monter jusqu'à l'infini. Hein. Ils sont emprisonnés par la gravité terrestre. Donc, il reste juste un espace parce qu'il y en a d'autres atomes qui arrivent. Hein. Bien, ils sont obligés d'aller vers les deux pôles, pôle nord, pôle sud. Ils se dirigent comme ça, puis là, il y a une espèce de mouvement parce que quand ils se dirigent vers les pôles, ils se refroidissent. À ce moment-là, en se refroidissant, ils redescendent sur la Terre. Donc ils sont comme enclavé dans, dans l'atmosphère terrestre, puis il y a un mouvement comme ça de rotation. Remarquez, là, les atomes hein, qui se promènent, ils se promènent, ils lèvent à l'équateur, ils s'en vont vers les pôles, ils redescendent et retournent à l'équateur. Hein. Dans le fond, l'air prend la place du vide qui est laissé par l'eau basse d'air qui s'est déplacée. Est ce mouvement-là, -là, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de convection. Là, vous le voyez ici dans un autre schéma où on voit les flux, donc on voit moins les atomes, mais voyez là, la zone orangée-rouge, c'est la zone qui est réchauffée. Le flux s'en va à l'équateur, hein, vers la haute atmosphère, et se dirige ensuite vers les pôles où est-ce que ça va se refroidir, et ça redescend progressivement pour re revenir à l'équateur. Et là, si on rajoute à ça hein, la rotation de la planète Terre, regardez ici, là, je rajoute la rotation de la Terre. Eh ben là, ça, on va dire que ça met le bordel dans tout ça, hein, parce que là, les vents se mettent à être déviés. En fait, c'est des sensations. Il y a même plusieurs cellules qui s'installent. Vous allez voir ça un peu plus tard dans votre apprentissage scientifique, mais ça fait des, des impressions de déviation du vent, et c'est ce qui va nous donner l'orientation justement des vents. Combinaison différence de pression due à un réchauffement inégal et rotation de la Terre. Si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience à la maison en hein, prenant qu'une une poêle remplissez-la euh, remplissez d'eau. Et là, l'eau, ça va être l'équivalent de l'atmosphère terrestre. Si vous avez un poêle qui chauffe, là, essayez de concentrer la chaleur en plein centre. Vous allez voir, il y a le phénomène qui va se produire, la convection. Là. La chaleur au centre va monter, c'est en trois dimensions. Tout ça, là, ça monte, puis là, ça s'en va vers les côtés, ça redescend et ça revient prendre la place. Et on a la même chose qui se passe dans l'atmosphère terrestre. Si on prend une coupe là, maintenant, puis on, 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 on fait juste un récapitulatif de tout ça. Là, donc, on a une masse d'air en quelque part, qui se fait chauffer par le soleil. Quand elle se fait chauffer, elle monte en altitude. Et là, parce qu'elle est emprisonnée, il y a juste certains endroits où elle peut aller. Hein, elle va se diriger vers des endroits plus froids et va redescendre, en se refroidissant. Elle est obligée de redescendre parce qu'elle est plus lourde dans un même espace. Et là, il y a une espèce de boucle qui s'installe, mais ce qu'on ressent, nous, sur, sur la Terre, ce qu'on ressent, ben, c'est... C'est ça la direction du vent. C'est la masse d'air qui est en train d'aller, de retourner à l'endroit où elle va se faire réchauffer. Donc, la direction du vent est uniquement dirigée, déterminée par ça. Bien entendu, la rotation de la Terre, ça, ça fait que ça change constamment de sens, mais constamment, à certains endroits sur la Terre. Mais euh, essentiellement, par exemple ici à Montréal, hein, la direction du vent est essentiellement du sud-ouest vers le nord-est. C'est ça le, le mouvement qu'on peut voir. Et le moment où est-ce que la masse d'air, s'élève, imaginez-vous, les atomes, ils montent dans l'atmosphère au lieu de vous tomber sur les épaules, ils sont en train de s'élever. Ça, on appelle ça une basse pression. Hein. Ce qui fait une pression sur vos épaules, c'est l'air. Même si ça presse pas grand-chose de l'air, ça peut appuyer sur vous. En fait, ça l'appuie beaucoup sur vous. Ça, ça se mesure en hectopascal, mais c'est pas important. Le fait que les atomes, ils se lèvent, hein, ben, c'est le fait qu'il n'y ça, 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 a presque plus de pression. C'est comme si oh, on se sentait plus léger tout d'un coup. On appelle ça une dépression. De là, le, le dé. Et l'inverse, hein, lorsque les atomes même, retombent sur la terre, ça augmente la pression. Vous avez vraiment l'impression d'être écrasé. Ce n'est pas perceptible pour un humain. Là, mais ce phénomène-là, on appelle ça haute pression, ou le A pour anticyclone, c'est les atomes qui redescendent parce qu'ils ils ont été refroidis. Mais vous remarquez ces mêmes lettres-là, le D et le A, sur les grandes cartes météo, hein, vous avez les mêmes lettres qui se représentent. La dépression, hein, c'est l'air qui est en train de remonter, puis l'anticyclone, c'est l'air qui est en train, les masses d'air qui sont en train de redescendre. L'instrument qui nous sert à mesurer ça, c'est un... Baromètre, ceux qui en ont à la maison, vous avez peut-être déjà remarqué aussi que sur le baromètre, ça nous dit qu'il va faire beau ou il va faire pas beau. Parce que lorsque la pression elle est basse, hein, les atomes sont en train de monter et ben ça l'annonce qu'il va poten... potentiellement avoir des précipitations, donc il fera pas très très beau. Inversement, lorsque les atomes sont en train de redescendre, c'est synonyme qu'il va faire beau. Donc je vous ai mis un gros soleil. Là où est-ce qu'il y a des anticyclones, c'est toujours là où il va faire beau. Et la pression, vous pouvez voir, là, les petits chiffres, là, ça se mesure avec cet appareil-là. Dans vos notes de cours, vous avez l'équivalent un peu. là. Hein, vous avez la dépression, le phénomène du, de la masse d'air qui s'élève parce que le soleil l'a réchauffé. Et là, à un autre endroit sur la Terre, on a un endroit où est-ce que est la masse d'air est refroidie, et redescend. Et puisque la, la haute pression s'en va vers la basse, ça crée les vents, ça crée des directions. Devant, simplement. Donc, vous pouvez compléter au centre de vos notes hein, les quatre petites phrases que je vous ai mises juste pour synthétiser tout ce qui vient d'être dit. Hein. Le soleil réchauffe la Terre de manière inégale, hein, première chose, parce que si c'était égal, il n'y aurait pas différentes zones réchauffées différemment. Quand l'air se réchauffe, il prend plus d'espace et il s'élève en atmosphère. Inversement, hein, quand l'air se refroidit, il retombe, il redescend et ce sont les déplacements horizontaux. Des masses d'air qui créent les vents que nous ressentons, nous, les deux pieds sur la planète Terre. Je termine en vous montrant quelques illustrations. Vous avez certainement déjà vu ces phénomènes spectaculaires, hein, les espèces de vents en forme de tourbillon. Il y a une différence fondamentale entre l'image au-dessus de moi, qu'on appelle une tornade, et celle de droite, qu'on appelle un ouragan. En tout cas, pour ceux qui habitent en Amérique. Une tornade, c'est un phénomène qui se produit sur la planète Terre, en fait, qui a l'origine sur un continent. Et c'est pas très gros. Là. On parle de quelques mètres en grosseur. Là. Ça a des vents extrêmement désastreux, mais sur une très très petite surface. Tandis qu'un ouragan, là, pour ceux qui, qui reconnaissent en ce moment, là, vous avez la péninsule de la Floride au complet, donc un État. En fait, on a l'équivalent de tout l'est des États-Unis. Puis là, vous voyez le l'ouragan, ça a vraiment plusieurs kilomètres. Et l'origine des ouragans, c'est toujours les océans. Et faites à noter hein, sur la planète Terre, on nomme les ouragans en fonction de l'endroit où ils se donc, ouragan, cyclone et typhon, c'est la même chose, ça dépend juste où est-ce que ça s'est formé sur la planète de Terre, vous avez qu'à vous référer à la carte que je vous mets là. Je termine en faisant un récapitulatif de la seule chose que j'aimerais qu'on retienne de cette capsule hein, si vous êtes capable de nommer les facteurs qui sont à l'origine du vent. Mettez-vous un petit schéma là, comme ça, puis remarquez là, dans le fond deux choses. Hein. On a le Soleil qui réchauffe inégalement la Terre, premier facteur, donc il y a des masses d'air qui ont des pressions différentes. Hein, puis on a le phénomène de convection, ça c'est le premier facteur. Et deuxième facteur, vous avez la rotation de la planète Terre qui fait, dans le fond, qui, qui crée un gros bordel dans l'orientation de la plupart des directions de vent. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule -là.